Bonjour, je m'appelle Milva et je suis comédienne. La lecture à voix haute est une partie importante du métier que j'exerce. Par exemple, l'été, je me promène dans les parcs de la ville de Laval pour raconter des histoires aux enfants. J'incarne plein de personnages différents en changeant ma voix. J'adore ça. C'est pour ça qu'on m'a demandé de vous accompagner à travers le processus qui vous mènera à réussir votre défi de lecture à voix haute. J'ai eu la chance de trouver des complices pour nous accompagner sur le parcours. Comme vous allez pouvoir le constater, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Je vais me présenter. Je m'appelle Brian Morneau. Je suis un comédien professionnel. Fait qu'aujourd'hui, je suis là pour vous donner un petit atelier pour savoir comment on peut faire pour être bien, confortable, avoir confiance, puis des petits trucs pour être capable d'être meilleur dans notre lecture à voix haute. Donc, je suis M. Julien. J'enseigne en cinquième année, ici. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous apprendre à choisir un bon livre à lire à voix haute. Avez-vous hâte? Ouais. Mes amis Julien et Brian vont partager avec vous leurs trucs et leurs tracks, leurs idées, leurs lectures, bref, leurs passions. Il y aura plusieurs étapes à franchir. Le choix de votre livre, de l'extrait, sans oublier les trucs et les heures de pratique, seul, puis devant vos amis, votre famille. Puis, arrivera le moment de livrer votre lecture à voix haute. Courage! Vous pouvez consulter les capsules que nous vous avons préparées autant de fois que vous le voulez. Alors, allons-y! 1, 2, 3, 4.